Bonjour les biquets, bonjour les biquettes. Alors dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir la recette de la fondue bourguignonne. Allez, c'est parti. Alors pour faire une bonne fondue, il faut de la viande à fondue. Voilà, un bon morceau. De préférence, vous l'achetez chez le boucher, c'est meilleur. C'est plus tendre. Et on va la couper. Alors, on coupe des tranches assez épaisses. Là, le boucher m'en a déjà coupé une tranche. Et après, on fait des cubes. Avec un couteau et une fourchette. Belle tranche. Alors moi j'ai prévu 300 grammes par personne. Voilà, une belle tranche. On va mettre ce qui est déjà coupé ici. Des petits cubes et des gros cubes pour les plus gourmands. Moi je préfère les gros cubes. Allez, on va finir de couper ça. Alors voilà, tout est coupé. Maintenant, on va remettre ça dans le sac et on va remettre le frigo le temps que les invités arrivent. Alors on branche l'appareil et on attend que ça chauffe. Alors on prend un pic
Ou à patatite. Avec un petit bout de viande. Et on met à chauffer. Et pendant ce temps-là, on mange celui qu'on vient de faire cuire avant. Alors avec de la sauce. Moi je prends de samouraï. Alors normalement pour accompagner ça on prend un bon vin rouge, un bon Bordeaux. Mais comme j'en ai pas, ben on est au Tropicana. Grand cru. Grand cru classé. 2018. Ben c'est pas bon. Allez, c'est fini pour cette vidéo. Au revoir les biquets, au revoir les biquettes, à bientôt.